Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine, la télévision de la communauté africaine ici aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Special Edition Yves Kenao, c'est mon nom, pour la présentation de cette émission. Et aujourd'hui, comme le titre le dit, Special Edition, c'est une spéciale émission consacrée à un grand événement qui aura lieu demain ici à Minneapolis, plus précisément à Brooklyn Park. Il s'agit donc d'un grand spectacle. Un grand spectacle organisé par un groupe de chanteurs, de grands chanteurs de talent pour faire plaisir à la communauté africaine. Et cela aura lieu ici à Brooklyn Park, aux États-Unis, bien sûr, à Minneapolis, à Minnesota. Et vous, Africains de la diaspora, vous, Africains de la communauté africaine ici, faites le déplacement nombreux pour ce grand spectacle d'adoration et de louange au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu Tout-Puissant. Et pour cela, nous, ici à Tempo Afrique TV, nous avons voulu apporter notre grain de sel à cet événement, à ce grand événement. Et pour cela, nous avons invité des organisateurs de la soirée à venir nous parler de ce grand événement. Ici, au studio de Tempo Afrique TV, nous avons les organisateurs, certains membres de l'organisation de ce grand événement. Et je vais vous le présenter. Il s'agit de Mademoiselle Djedida, elle est de Burkina Faso, puisque nous parlons de la communauté africaine. C'est tout un groupe, c'est un multi-pot de la communauté africaine qui s'est retrouvé dans cet événement. Mademoiselle Djedida, elle fait partie de l'organisation. Djedida, bonjour. Elle est de Burkina Faso. Et de l'autre côté, à mon extrême droite, j'ai un Ivoirien, il s'appelle Roumaric. Il fait partie du staff de l'organisation. Alors, Roumaric, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission Special Edition. Vous êtes membre de l'organisation, Roumaric. Bien sûr. Et vous avez organisé un grand événement, un grand spectacle qui aura lieu demain. Est-ce que je vois précisément, demain, c'est le 25 juin de cette année 2017. Exactement, qu'est-ce qui va se passer demain? Déjà, je voulais vous remercier pour l'opportunité. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer demain? C'est que nous avons une grande nuit de louange et d'adoration qui va prendre place à Brookings Center, plus précisément au Freedom Center. L'adresse c'est le 3045 Brookdale Drive, Minneapolis, Minnesota. Le zip code c'est 55444 et ça va se passer à 18h30. À 18h30, hors de Minneapolis. Hors de Minneapolis. Voilà. Et vous parlez d'une grande nuit d'adoration de Dieu. Vous rendez hommage, vous rendez louange au Seigneur Jésus-Christ avec le Tout-Puissant. Le multi-god, Dieu Tout-Puissant, comment l'idée vous est arrivée? Pourquoi organiser une soirée pour adorer Dieu alors qu'il y a les worship, il y a les trucs là, il y a les églises, il y a les temples? Pourquoi une soirée de chant et de musique pour l'adoration de Dieu? Merci déjà pour la question, je pense que c'est une très bonne question. Et dans la Bible, Dieu dit déjà que chanter c'est prier deux fois. Oui. Donc, ça déjà, c'est venu de la première idée où c'est toujours important de revenir à nous-mêmes et de se mettre ensemble et d'adorer, de prier Dieu pour ce grand être qu'il est. Voilà. Le deuxième point, c'était aussi plus pour ramener la francophonie ensemble. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de francophones dans l'état de Minnesota, mais nous ne prions pas ensemble comme nous le faisions en Afrique. Voilà. Donc l'idée est venue pour amener tout le monde ensemble, pour prier le grand Dieu que nous avons ensemble, pour essayer de glorifier son nom. Voilà. Vous êtes de Burkina, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Djedida est de Burkina Faso. Et Djedida, est-ce que nous pouvons savoir quels sont les pays qui vont participer à ce spectacle de demain?
Bien sûr, nous avons différents pays de la francophonie, comme Romaric le disait. Ouais. Nous avons donc le Burkina Faso. Oui, nous à avons... tout Seigneur. Et nous avons aussi le Congo. Le Congo, lequel? Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, oui. Ok. Et nous avons le Togo. Oui. Et je pense que c'est... La Côte d'Ivoire. Voilà. Donc vous voyez, nous avons, chers téléspectateurs, nous avons donc des pays comme le Burkina Faso, le Congo-Kinshasa, le Togo, la Côte d'Ivoire, qui seront sur scène demain pour chanter, louer et rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, au Multi-God. Comme Romaric le disait, quand on se rassemble, quand on se met ensemble et avec la musique et le chant, je pense que l'inspiration vient plus facilement et rendre hommage à Dieu aussi est plus facile parce que ce n'est plus nécessairement dire que je ne comprends pas le verset tel, je ne comprends pas, je n'ai pas le temps, je n'aime pas lire, je n'aime pas faire chose. Tout le monde aime écouter. Tout le monde aime bouger. Tout le monde aime quand même se recréer. Vous savez, en rendant hommage à Dieu avec la musique, comme tu l'as dit, on dit dans la Bible, rendez gloire à Dieu avec les trompettes, au son des trompettes et des tambours. Voilà. Alors, si nous allons, en attendant d'écouter et de voir une vidéo d'un des artistes qui va faire prestation demain, Romaric, dis-moi pratiquement, sur scène, quels sont les artistes que nous allons retrouver demain sur scène? Puisque je serai là, en attendant de les découvrir moi-même sur scène, quels sont les artistes qui vont faire prestation demain à Freedom Center de Brooklyn Park? Oui, nous avons de très grands chanteurs et chanteurs chrétiens. Ouais. Il y a déjà Jonathan Ouedraogo, ouais, qui est un jeune qui produit déjà sa musique et qui travaille, qui a un très 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 grand talent, voilà, et qui commence à sortir et qui va se faire découvrir par le monde. Voilà. Et nous avons aussi la chanteuse Anne Lévy, qui aussi a un ministère de louange et d'adoration, ouais, et qui aussi commence à prendre une grande partie dans ce style de Minnesota. Voilà. Nous avons aussi Mallory qui est précisément de notre église, mais aussi qui... Bon, ce n'est pas de la publicité. Quelle est votre église? Bon, nous sommes à l'Impact Center. Nous sommes nous sommes situés à Saint-Paul. Ouais. Je n'ai pas l'adresse exacte. Ouais. On peut passer ça après. Voilà. Et bon, comme je disais, cette jeune fille aussi a une très belle voix. Ouais. Donc, nous avons trouvé normal de l'envoyer à bord et puis... Voilà. Travaille aussi. Nous avons, comme tout le monde le sait, la chante Marceline du Togo, qui a de nombreuses chansons que tout le monde aime, que tout le monde adore. Voilà. Et nous avons aussi Valérie, qui est une autre chante que Dieu bénit beaucoup, qui fait un grand travail. Voilà. Est-ce que tous ces chanteurs-là, tous ces chanteurs et chanteuses-là sont de votre église? Non. Non, nous avons seulement deux personnes, la sœur Valérie et la sœur Mallory qui sont dans l'église. Tous les autres chants viennent de différentes places. Voilà. Places. Vous voyez, c'est ça même la force même de ce groupe. Et pour le moment, ce n'est qu'un groupe restreint. Et la porte est là, toujours ouverte. Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés qui ont des ministères et qui ont des talents et qui veulent mettre leur talent au service du Seigneur. Ils peuvent rejoindre ce groupe. Est-ce que ce groupe a un nom, Romaric? Le groupe qui va chanter demain, est-ce qu'il a un nom? Non, le groupe n'a pas de nom. Enfin, pour le moment. Actuellement, ce qu'on a fait cette année, parce que ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est que chaque année, on veut avoir un concert francophone. Voilà. On veut réunir la francophonie chaque année. Pour le moment, on essaie de regrouper chaque artiste individuellement comme on le peut. Voilà. Mais c'est bien possible que dans le futur, nous ayons un groupe spécifique pour le conseil. Pour voilà. Le conseil spécifique. Voilà. Mais le groupe même déjà de l'organisation, c'est on a nommé ça la Journée internationale de prière francophone déjà, parce que on avait voulu ajouter un côté prière dessus, mais on a décidé de plus se focaliser sur
Donc disons que c'est la journée internationale de louange à Dieu. Voilà. Voilà. Alors, sœur Jedida, voilà. Mais d'accord, nous sommes rentrés. Vous savez, vous m'avez déjà emballé. Sœur Jedida, dites-moi concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce spectacle? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez atteindre, toucher au maximum le cœur de ceux-là qui doutent encore que Jésus-Christ est le Sauveur, ou bien vous voulez seulement que les gens sortent leur stress? Qu'est-ce que vous attendez? Quand je dis attendre, quel est l'objectif de ce spectacle? Ok, bon, ça sera un peu de tout ce que vous avez déjà dit. Ouais. Et on sait très bien que Dieu passe par plusieurs moyens pour toucher une personne. Voilà. Que ce soit par un concert, une prédication, juste une personne qui passe par là, un inconnu. Voilà. De n'importe quelle manière, Dieu travaille. Pour ce concert-là, nous voulons effectivement partager la bonne nouvelle. Mm-hmm. D'une manière joyeuse, je dirais. Voilà. D'une manière un peu facile. Voilà. Chanter, danser, tout le monde peut se regrouper pour le faire. Voilà. Pour chanter. Et aussi, on n'a pas besoin de parler français ou anglais. Voilà. Le message est universel. Voilà. Il faut juste venir et partager les chansons, danser, l'ambiance avec ses amis, ses parents, sa famille, tout le monde. Et maintenant, le reste est à Dieu. Voilà. Est-ce que vous attendez seulement un public francophone ou bien quiconque voudrait venir peut venir? Voilà. Donc, comme je disais, on n'a pas besoin de parler français. Donc, tout le monde est invité. Que vous parliez français ou anglais ou toute autre langue. Voilà. Vous êtes invité à ce concert. Voilà. Nous allons, si la technique est prête, nous allons suivre une musique avant de continuer le reste de cet entretien. Nous vous demandons tout simplement de vous installer confortablement dans vos fauteuils, puisque nous venons juste de commencer. Nous venons juste de commencer. Et les questions et les réponses, le QA continue sur Special Edition, ici à Tempo Afrique TV. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de cet entretien. Dans la joie.
retour sur ce plateau de Tempo Afrique TV dans l'émission spéciale Edition. Comme je vous le disais au début de cette émission, l'émission est consacrée à un grand événement, un spectacle qu'un groupe d'Africains, qu'un groupe chrétien d'Africains de la francophonie africaine va organiser demain à Saint-Paul au Centre Freedom Center de Brooklyn Park à partir de 18h30 pour rendre hommage, en fait, pour hommage à Dieu Tout-Puissant, le Mighty God, le Dieu Tout-Puissant. Alors, chers téléspectateurs, en fait, cette journée, cette soirée, ce spectacle est dédié comme une journée internationale de louange à Dieu. Une journée internationale de louange à Dieu que ce groupe congolais, burkinabé, togolais, ivoirien, que sais-je encore, de la diaspora africaine, de la communauté africaine ici à Minneapolis aux États-Unis, organise. C'est un grand spectacle. Nous vous invitons, nous vous exhortons, chrétiens, non chrétiens, à faire nombreux les déplacements. Non pas seulement vous allez personnellement être en contact avec Dieu, ça je le dis, j'ai assisté à beaucoup de ces événements, beaucoup de ces spectacles de chrétiens. L'année passée aussi, un groupe à la tête duquel Sœur Marceline était, avait fait aussi un spectacle pareil, un spectacle de louange. Quand vous allez à ces spectacles, chers téléspectateurs, vous vivez la présence de Dieu. Ce n'est pas de la publicité, ça maintenant laissons la publicité de côté. Quand vous arrivez à ces spectacles, vous vivez, vous sentez, vous expérimentez la présence de Dieu Tout-Puissant sur vous, sur la salle. Sur vous, vous sentez cela. On n'a pas besoin de vous le dire. On n'a pas besoin. Vous savez, la première fois que j'étais à tes spectacles, je regardais la télévision, je dis que oh, quand on fait ça, c'est fake, c'est faux. On ne fait que toucher les gens, on pousse les gens, c'est comme des arrangements. Mais quand j'ai assisté 2, 3, 4 de ces soirées, de ces événements, j'ai fini par croire. J'ai fini par croire que quand un groupe, quand les gens se regroupent, quand les gens se retrouvent ensemble avec la musique et la chanson, Dieu quitte le ciel pour descendre sur eux, pour les pénétrer, pour apaiser les âmes, les cœurs meurtris, pour donner de l'espoir aux âmes qui ont perdu du hope, de l'espoir, pour donner à ces cœurs meurtris de se retrouver, de se reconstruire, de guérir. Et c'est ce qui va se passer. Je vous le garantis. Je sais. Et c'est ce qui va se passer demain à 18h au Freedom Center de Brooklyn Park. Ça, je vous dis, je suis convaincu. Je le vis déjà, je le sens. Je le vis. Et je sais que vous, qui êtes assis dans votre fauteuil confortablement, vous le vivez. Vous le sentez en attendant de vous rendre au Freedom Center de Brooklyn Park. Alors, sœur, j'ai dit, vous m'excusez, je sais un tout petit peu, vous m'excusez. Voilà, sœur Jedida, dites-nous, rappelez-nous encore une fois l'adresse précise pour ceux-là qui veulent demain aller louer Dieu avec nous. Ok, donc l'adresse sera à 3045 Brookdale Drive. Yes. Et c'est à Minneapolis, Minnesota, et le code postal, c'est 55444. Est-ce qu'il y a un numéro de contact pour ceux-là qui voudraient avoir beaucoup d'informations? Est-ce que si vous avez le numéro, vous pouvez nous le rappeler? Romaric ou Jedida, qui d'entre vous? Je vais laisser Romaric donner le numéro. Voilà. Bien sûr, il y a un numéro, il y a deux numéros. Voilà, donnez-les. Donc, il y a le 507 351-45-05. Voilà, et le deuxième? Pardon, 45-04, pardon, pas 05. Et le deuxième, c'est... Rappelez le premier encore, parce que pour... Donc, voilà. Comme voilà. Je le dis, 507-351-45-04. Voilà, si vous avez des problèmes de vous retrouver, appelez ce numéro et on va vous diriger directement à l'endroit du spectacle, à la place du spectacle. Alors, sœur Jedida, la couverture, l'entrée, est-ce que ce spectacle est gratuit ou il est payant? Bon, s'il est payant, quel est le prix d'entrée pour le ticket? Le spectacle, il n'est pas gratuit. Voilà.
Les tickets sont disponibles en ligne. En ligne, déjà, en online. Depuis, quand on, bon, elle veut dire online. Online, pour ceux qui, effectivement. Voilà. Et c'est disponible depuis un bon bout de temps, voilà. À 10 dollars. À 10 dollars. Oh, donc, c'est un prix à la portée de tout le monde. Effectivement, voilà. C'était juste pour pouvoir... c'est comme une contribution pour, voilà, pour aider l'organisation. De... Et c'est l'occasion pour moi aussi de lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient aider ce groupe. Par quelque moyen que ce soit en nature ou en espèce, ces personnes sont les bienvenues. Contactez les organisateurs de cet événement, puisque c'est un spectacle qui est donné, qui s'est donné l'objectif de se répéter chaque année. Chaque année. Si vous n'avez pas pu les contacter, les aider pour cette édition, contactez-les, aidez-les si vous pouvez, pour qu'ils puissent engager, si je peux m'exprimer ainsi, engager beaucoup d'artistes pour que l'édition de 2018 soit beaucoup plus grand au nombre d'artistes et soit beaucoup plus effectif. Alors pour le moment, pour tous ceux qui veulent aider ce groupe, je laisse Romaric encore nous rappeler le numéro sur lequel ils peuvent les contacter et le website, le website sur lequel ils peuvent aller pour qu'ils puissent donner leur contribution et aider ce groupe à nous produire beaucoup plus de spectacles. Ça ne serait plus une fois dans l'année, que ça soit deux ou trois fois dans l'année. Alors, Romaric, rappelez-nous votre website et votre numéro où vous contactez. Ok. Donc, pour un peu préciser sur le prix, nous avons exactement, comme j'ai dit là, le disait, 10 dollars pour les adultes, 5 dollars pour les enfants. Voilà, 5 dollars pour les enfants, vous voyez. Nous avons mis ce prix pourquoi? Parce qu'on veut aider, on veut continuer à faire ce projet et aussi on veut aider les artistes qui viennent, voilà. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas, chanter, danser pour rien, on va leur donner quelque chose pour leur remercier. Donc, c'est aussi supporter le ministère de ces artistes-là. Voilà. Et puis, donc, le numéro, comme je disais, c'est le 507-351-4504 ou le 763-388-11-87. Donc je répète 763 voilà 838 1187 voilà. Et encore l'événement va prendre place à Brookings Center, voilà. Freedom Center, voilà. Et l'adresse précise c'est le 3045 Brookdale Drive, Minneapolis, Minnesota 55444. Et à quelle heure? À 18h30. Encore une fois, vous pouvez nous rappeler le prix. C'est important parce que voilà. C'est très important. Donc, comme je disais, 10 dollars pour adultes, 5 dollars pour les enfants. 10 dollars pour les adultes, 5 dollars pour les enfants. Ce n'est pas trop dit, c'est juste un prix forfaitaire pour aider l'organisation. Pour aider les artistes qui sont là pour rendre hommage à Dieu. Je vous rappelle que la soirée aura lieu au Freedom Center à Brooklyn Park, c'est ici à Minneapolis. On vient de vous donner l'adresse. Ce spectacle va regrouper des pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Congo et Kinshasa. Ce n'est qu'une première édition de ce groupe. L'année prochaine, le groupe reviendra beaucoup plus en force, mais pour l'instant, il vous propose de grands chants de louange à Dieu. Demain, un grand spectacle. Et comme on dit, la valeur, ce n'est pas le nombre, mais c'est le contenu. Et ces artistes ont un message clair et net. Un message mélangé de mélodies, de très bonnes mélodies et des orchestrations musicales impeccables. Je ne vais pas trop parler. Vous allez vous-même découvrir cela demain. Vous n'allez pas regretter le déplacement. Je vous le garantis. Vous n'allez pas du tout regretter le déplacement. Et surtout, ne vous faites pas compter l'événement. C'est ça qui va vous faire regretter que quelqu'un vienne vous compter, que quelqu'un vienne vous dire que hier,
dimanche, le lendemain, lundi, que quelqu'un vienne vous raconter que, mais dis donc, hier, le spectacle qui a eu lieu au Freedom Center à Brooklyn Park était merveilleux, était un grand spectacle. Vous allez regretter de l'avoir raté. Alors, ne vous faites pas compter. Faites vous-même le déplacement. Soyez vous-même le témoin. Soyez vous-même le témoin pour vivre ce que nos sœurs et frères du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Congo vont nous livrer. Ce sont, nous vivons avec eux ici tous les jours, matin, midi, soir. Nous partageons les mêmes peines et les mêmes joies. Nous partageons les mêmes réalités. C'est à nous de les soutenir. C'est à nous d'être à leur côté pour dire, mon frère, vas-y. Mon frère, fais ceci. Bon, ceci-là n'a pas marché. Si tu pouvais le faire de cette manière, pour que demain, cela puisse porter le flambeau, non du Christ, mais le flambeau de la culture africaine, le flambeau de l'amour africain, le flambeau de relation entre le grand être qu'est Dieu Tout-Puissant et l'Africain, de la diaspora, de l'Africain à l'étranger, de l'Africain en un mot. Alors, chers Africains de la communauté de Minnesota, faites le déplacement. Faites le déplacement nombreux demain pour ce spectacle. Je vous dis, ne vous faites pas compter cet événement. Ne vous faites pas, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, c'est un événement auquel je vais assister. Je ne le raterai pas, pour quelque raison que ce soit. Et si vous n'avez pas fait le déplacement, nous allons vous proposer de suivre ce spectacle en différé sur nos antennes. Dans son intégralité, vous allez le suivre. Mais nous préférons que vous fassiez le déplacement. Alors, Sœur Djedida, Sœur Djedida, quel est le message que vous avez pour le public de Minnesota? Quel est le message, juste pour ce spectacle? C'est réitérer encore notre invitation à tout le monde, sans exception, ouais. Que tout le monde fasse le déplacement avec les amis, la famille, pour venir participer à cet événement et rendre gloire à Dieu. Voilà. Romaric, vous, votre message, c'est la fin de cette émission, pratiquement votre message à l'encontre. Qu'est-ce que vous avez à dire à la communauté africaine de Minnesota, de Minneapolis ou des États-Unis? Parce que si quelqu'un à Chicago ou Nebraska ou Wisconsin et qui veut venir partager cette joie avec nous, nous l'acceptons, nous l'accueillons. Quel est votre message pour tout ce monde-là? Mon message, c'est de dire à chaque personne dans le sud de Minnesota ou aux États-Unis qui est intéressée à venir participer à cet événement, de ne même pas douter de venir, de ouais. venir adorer Dieu, ouais. parce que c'est ce qu'on fait. J'invite aussi toute la francophonie voilà. aussi, parce que cet événement-là est déjà utilisé pour être spécifique sur le style francophone un peu. Donc ouais. on veut les inviter, sortez nombreux, venez louer, venez prier Dieu comme on le fait. Et aussi, comme Jérida le disait, il n'y a pas de langue dans la musique. Voilà. Il n'y a pas de langue dans la musique. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de Special Edition d'aujourd'hui. J'avais reçu mademoiselle Sœur Jérida, c'est comme ça que je l'appelle, de Burkina Faso. Elle fait partie de l'organisation. J'ai reçu le frère Romaric de la Côte d'Ivoire. Lui aussi fait partie de l'organisation de cette journée d'adoration, de chant, de louange d'adoration à Dieu Tout-Puissant, qui est organisée demain. C'est un grand spectacle que des chanteurs de différents ministères, des chanteurs religieux, du gospel, c'est ont organisé pour le public de Minneapolis. Ce sont des chansons religieuses qui vont passer
c'est la musique dansante. Alors, pour faire sortir un peu nos stress, pour oublier un peu nos fatigues de full-time job, nous vous invitons à vous rendre à ce spectacle pour chanter, danser, louer l'Éternel. C'est un spectacle qui aura lieu au Freedom Center de Brooklyn Park, ici à Minneapolis, et le prix d'entrée, c'est un prix forfaitaire de $10 pour les adultes et de $5 pour les enfants. Et pour ceux qui voudraient aider ce groupe d'Africains, les bonnes volontés, n'hésitez pas. Contactez-les sur leur website et donnez tout ce que vous pouvez, que ce soit en nature, en espèces, et aidez ce groupe pour que l'année prochaine, nous ayons un autre spectacle plus fort, plus intéressant. Alors, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Pour l'instant, que Dieu Tout-Puissant vous protège, vous guide. Passez une bonne journée. Et restez à l'écoute des programmes de Tempo Afrique TV. Bye bye. Maman chérie, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, je te dis merci. Dédicace à toutes les mamans. Merci pour tout. Maman, maman chérie, dada, éloigné longtemps. Maman, maman chérie, dada, éloigné longtemps. Maman, maman chérie, dada, éloigné longtemps, y'est là. Nous kéké ça, y'est nous kéké aller. Signe mes temps, mes mandats, mes noms, à dîner, mes versions, mes seins, mes vies, nous tiennent. Y'a roi, mes vies, tes pénaux, nous qu'est-ce qu'il y a, y'a nous qu'est-ce qu'il y a.